Bonjour à tous, c'est Angélique du blog apprendre-la-flûte-traversière.com. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un unboxing d'une flûte d'études Yamaha 282. Cette vidéo fait partie d'une série dans laquelle je teste pour vous les différents modèles de flûtes d'études. Donc, je parle de flûtes d'études de qualité que vous pouvez vous procurer chez un luthier ou un magasin spécialisé. Après un test général de ces flûtes et une vidéo sur la privilège de Trevor James, aujourd'hui, je m'attaque à la célèbre Yamaha 282. Je remercie Rémi de Manon des Bois à Annecy pour le prêt de ses instruments qui me permet de faire ces vidéos et donc de vous aider par la même occasion. Alors pour moi, et ce n'est que mon avis, Yamaha est ce qu'il se fait de mieux en termes de flûte d'études et surtout en rapport qualité-prix. Je trouve qu'ils sont vraiment imbattables. Donc ce sont des instruments de qualité. Ils sont résistants, surtout s'il y a des enfants dans les parages, et en plus ils durent dans le temps. Donc ce sont vraiment des instruments qui se revendent très bien aussi, qui ne perdent pas tant que ça en termes de valeur. La Yamaha 282, c'est vraiment la référence des flûtes traversières. Alors je conçois qu'on n'aime pas ou qu'on préfère autre chose, donc on va aller déballer tout ça et on va voir ce qu'il en est réellement. Alors que nous réserve cette belle boîte bleue? Nous avons directement la flûte, voilà, dans l'étui. Qu'avons-nous d'autre à l'intérieur? Donc nous avons des sangles hein, pour ceux qui veulent porter donc la flûte en bandoulière, donc qui s'accroche, c'est-à-dire donc ici, hop, et là. Pas du même côté de chaque côté, comme ça si jamais il y a une ouverture, bah, ça permet d'être maintenu un minimum, hein, ça c'est vraiment bien. Qu'avons-nous d'autre? Des petits bouchons. Alors là, ça, Yamaha, il fait bien les choses, hein, c'est que les petits bouchons sont bleus. Parce que généralement, quand vous avez des petits bouchons, donc ils sont blancs, transparents, et que ça tombe par terre, hein, c'est une galère à retrouver à chaque fois. On marche dessus, on les perd, on vient d'en racheter, bref. Donc là, en fait, le fait qu'ils soient bleus, bravo, parce qu'au moins, du coup, on peut les voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Un sachet qui est en japonais, c'est toujours appréciable. Enfin, moi, en tout cas, ça fait vraiment partie des petites choses que j'aime. C'est que, voilà, on achète une flûte japonaise et le papier est en japonais. Alors, donc, nous avons un gros livret, un gros fascicule. Je découvre, hein, vraiment le mode d'emploi. Alors, voyons maintenant ce qu'il y a à l'intérieur de cet étui. Donc, vous voyez, c'est un étui. Voilà, avec une pochette ici, là, où on peut ranger donc tous les accessoires, hein, parce que normalement tout doit être dans votre flûte, les chiffons, tout ça, ça se trouve normalement à cet endroit-là. Le boîtier traditionnel, voilà, en plastique dur, résistant, qui peut tomber sans se fracasser, mais évidemment, il ne faut jamais faire tomber sa flûte, ça peut arriver. Et donc, ensuite, nous avons une belle flûte à l'intérieur, vous voyez, avec un étui noir, ce qui met en valeur le métal argenté. Donc ça, franchement, c'est plutôt chouette. Donc on va la monter. Donc l'écouvillon ici, en fait, est directement à l'intérieur de la flûte. Là, il est noir. Plastique noir, classique. Alors, l'avantage de la marque Yamaha, c'est qu'il y a des repères pour régler la flûte. Autant sur d'autres, en fait, il faut vraiment y aller au manuel, comme ça, avec voilà, un certain réglage, que là, en fait, on n'a pas forcément besoin. Il suffit simplement, en fait, d'aligner les flèches où elles sont indiquées. Voilà, donc vous mettez les flèches correctement, et votre flûte, en fait, elle est déjà prête à l'emploi. Donc ça, c'est vraiment génial. Bon, elle est très agréable à prendre en main. Le clétage est assez souple. Alors, comparé à certaines flûtes, peut-être comme la Trevor, peut-être les Pearl aussi, il est peut-être un tout petit peu plus ferme. Mais franchement, pour une prise en moins, pour bien boucher les trous, c'est plutôt pas mal. La clé ici, je la trouve vraiment de bonne distance. Elle est ni trop longue ni trop courte. Voilà, vraiment pour toutes les morphologies. Ça permet vraiment de bien la mettre. Elle n'est pas trop haute non plus. Ici, c'est pas trop court. En tout cas, je trouve que la clé du ré, du do dièse sont larges sans être larges. C'est vraiment une bonne distance, on va dire. Voilà, parce que des fois, il y en a qui sont vraiment un petit peu plus courtes, plus raccourcies. Donc, ça dépend des modèles, ça dépend des marques. Elle est assez jolie à regarder, elle est jolie à jouer. C'est vrai que ça fait plaisir de voir une belle flûte comme ça. On a tout de suite envie d'en prendre soin et de jouer très très bien. Mmh.
elle a une belle sonorité, une belle fluidité, une belle ampleur, vraiment, sur tous les registres. C'est vraiment assez sympa. Les graves sont bien, il y a du volume, il y a de la sonorité. Franchement, elle est bien. Bon, après, moi, c'est vrai que c'est une flûte avec laquelle je travaille beaucoup. Voilà, mais vraiment, elle est sympa. Là, on voit avec ce type de flûte que Yamaha, quand il la réalise, en fait, il est vraiment conscient de l'importance pour l'élève débutant de trouver le son avec facilité, de trouver aussi une qualité de son, et ça assez rapidement. Ça évite vraiment toutes les frustrations qui peuvent être liées, en tout cas au début de l'apprentissage de la flûte. Donc c'est vrai que cette flûte, en fait, elle est vraiment optimisée, en tout cas, pour jouer vraiment pour les débutants. Le design de la tête aussi, il est vraiment spécialement fait pour les débutants. Les clétages à pointe, ils sont aussi réservés dans nos instruments professionnels, ici on les a. Les tampons, ils ont aussi une durée de vie qui a été optimisée, donc ce qui fait que l'investissement est encore beaucoup plus sécurisant pour l'acheteur. Donc comme je vous le disais, ils sont aussi un petit peu plus fermes, comparé à d'autres flûtes, comme j'avais pu le tester notamment dans une autre vidéo. Mais en même temps, c'est vrai que ça facilite un bouchage un peu plus correct au niveau des doigts, et puis du coup, on a une sonorité qui est quand même beaucoup plus éclatante. L'embouchure permet de produire rapidement donc une bonne sonorité, d'obtenir vraiment une réponse assez rapide dans tous les registres, hein. Donc là, on est vraiment au top, hein. Donc si jamais vous ne savez pas quoi choisir comme instrument, vous voulez y aller les yeux fermés, vous choisissez celle-ci, et vraiment, vous ne serez pas déçu, vous en aurez vraiment pour votre argent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez en savoir davantage sur les flûtes d'études, sur ce qu'il faut faire ou ne pas faire en fonction de vos envies et de votre budget, je vous mets en description une vidéo guide d'achat pour une flûte traversière spéciale débutant. Donc je vous dis à bientôt et d'ici là, bonne musique !